Bon, les deux sœurs, vous faites le ménage de la salle. Quand je reviens, je veux que ce soit nickel. Mais de toute façon, c'est de ta faute si on est là. Hein. C'était mémorable. Mais tu te rappelles du court-métrage mémorable qu'on était allé voir avec papa et maman au festival court-métrage? Ah mais oui! Mais tu te rappelles? C'était trop beau avec toutes les peintures et tout ça. Mais c'était pas vrai, c'était pas de la peinture, c'était du numérique. Oh mais peu importe, de toute façon, ce film était hyper original et il sort vraiment du lot. Ah mais il vient d'où ton pull? Oh, mais c'était un cadeau de mamie, t'as le même à la maison? Ah bah il est moche, hein. Oh, mais laisse-la reposer en paix. Mais à quoi ça sert? Bah, c'est pour peindre. Ah, ah oui, c'est vrai. Voilà, comme ça, tout le monde va s'en souvenir. Non mais tu me fais une blague ou quoi? Attends, c'est qui a peint ce tableau? Bah j'en sais rien, c'est pas connu. Hein. Non mais Emma, tu fais exprès ou quoi? Attends, tiens t'asseoir. Bon Emma, on revient sur Mémorable. Tu te rappelles de la manière dont l'image raconte la perte de mémoire du monsieur? Mais tu sais, au début, le monsieur il a toute sa tête, il a plein de couleurs, c'est hyper réaliste. Mais au fur et à mesure qu'il perd la mémoire, les couleurs elles se mélangent et à la fin elles s'effacent. Franchement, c'est une manière hyper poétique de montrer la maladie d'Alzheimer. Emma, ne me dis pas que tu t'en souviens pas? Bah non. Emma, le court-métrage il était exceptionnel. Il t'a fait sourire, rire et pleurer. Et toi, tu l'as oublié? Attends, mais de quoi tu parles? Ouais, bah là, franchement, c'est plutôt toi qui me donne envie de pleurer. Hein. Vous êtes la femme de ménage? Ouais, c'est ça. Vous auriez pas vu ma sœur? J'étais avec elle, je crois. Elle doit être partie.